Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous rencontrer dans cette vidéo pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette de velouté au potimarron. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un potimarron, 1,7 kg, un petit peu d'huile végétale, 3 petits oignons émincés, 3 carottes coupées, 3 pommes de terre coupées. Les pommes de terre et les carottes sont de taille moyenne. 2 cuillères à soupe de coriandre ciselé. 250 ml de crème fraîche. Une demi-cuillère à café de poivre. Une demi-cuillère à café de noix de muscade. Une cuillère à café d'ail séché en poudre. Et une cuillère à café de sel. Je commence par prendre mon potimarron. Et je vais venir vers 3 quarts plus ou moins, comme ceci. Et je vais couper. Une fois que mon potimarron est coupé, je vais retirer les pépins et les fibres que je vais jeter. Ensuite, je vais récupérer la chair à l'aide d'une cuillère que je vais utiliser dans ma soupe. J'ai récupéré la chair de mon potimarron. On passe à la cuisson de notre soupe. Pour notre soupe, on va commencer par mettre l'huile végétale, l'oignon, et on va laisser revenir un petit peu. Ensuite, on met les carottes, les pommes de terre, et la chair de potimarron. Et on va les faire rissoler un petit peu. On ajoute notre coriandre, noix de muscade, poivre, sel et l'ail en poudre. On va mélanger. Ensuite, on va couvrir d'eau. Plus ou moins 1,5 litre d'eau. On mélange. Et on va laisser mijoter jusqu'à ce que nos légumes soient bien cuits. On revient à notre potimarron qu'on a vidé. Et on va le badigeonner d'huile. Comme ceci. Ensuite, on va le rentrer dans un four préchauffé entre 180 et 200 degrés durant une quinzaine de minutes. Il ne faudra pas que notre potimarron soit trop cuit, sinon il ne va pas tenir et il va se fondre. Une fois que j'ai fini de le badigeonner, je vais le mettre dans mon four. Ma soupe est prête, je vais la mixer. Je vais ajouter ma crème fraîche. Je mélange mon velouté de potimarron est prêt. Mon potimarron est prêt aussi. Alors concernant le potimarron, pour savoir s'il est bien cuit, vous prenez une fourchette et vous venez vous piquer dans la chair comme ceci. Ça doit rentrer facilement. Contrairement à l'extérieur, ça reste ferme. Pour servir, je prends mon potimarron que je vais remplir de mon velouté, comme ceci.
je vais prendre un petit peu de fromage râpé que je vais mettre par-dessus, comme ceci. Et puis un petit peu de coriandre, comme ceci. Et je viens déposer mon couvercle, comme ceci.